2024. Un plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous actualité à actualité dans le pays d'Haïti avec un focus tout dans international là. Moi c'est Jacques Lambézier avec un grand point cap dominé actualité. Actualité concernant pays d'Haïti, opération démolissement CAI, police nationale là, surtout aux alentours aéroport international Toussaint Louverture là, nous va gagner réaction quelques propriétaires. Dans moment information, il y a parlé de installation conseil présidentiel transition 1. Plusieurs secteurs a travaillé sur une pétition pour choisir un juge dans cour cassation 1 pour diriger transition 1. Actualité internationale, l'armée Israël a fait un retrait dans Gaza pendant troupes liées apparaît pour une opération dans Rafah malgré opposition Washington à Nations Unies. Et puis équipe solaire Total hier lundi 8 avril 2024 l'a provoqué en pire sensation surtout dans pays côté le dépassé tant que Mexique, États-Unis à Canada. Et oui, c'est pour ça avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment donc. Bonjour, bonsoir à tout le monde de Madame Manan qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps nouveau édition La Voix d'Amérique ça que nous porter pour aujourd'hui. Quelque dans l'autre grand point qui domine l'actualité que nous porter pour et bien après édition La Voix d'Amérique là n'a faut qu'on est et bien bandi coalition vivant sans mieux même nek ça yo pillé et puis mettez di fait dans caï ancien député Lavalas là pour 3e circonscription et bien Port-au-Prince là qui c'est Maître Printemps Belize. Et l'autre côté n'a faut qu'on est Ariel Henry avec toute équipe lio yo continuer à faire qu'aucun face à conseil présidentiel là lui-même qui t'a dû installer Ayemadia là et bien dans bien tard et bien gain parler en pile qu'a fait bon côté conseil ministre Ariel Henry a que même yo annoncé qu'il a continuer discuter toute journée mercredi à là dans dossier qui gain pour avec dossier si là la police et bien dans un bilan que yo bail journée mercredi 10 avril 2024 là responsable la police yo fait qu'on est que yo même sorti 26 mars pour arriver 9 avril là là qui valait zam yo saisi avec en pile l'autre détail encore n'a faut qu'on est en l'autre côté tout et bien dossier programme Biden dans là gain pile moun que yo arrivé rester là pendant journée hier et bien c'est pas des moun que yo voyé message non confirmé ba yo ça qui fait en pile parler en pile ça en pile l'autre encore voter pour dans édition nouvelle ça mais avant même nous entrer dans pour ça qui domine actualité là si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça pas hésiter abonnez-vous avec channel là activer petite cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune vidéo pas oublier quitter un like dans vidéo et partager avec vos amis une famille la voix de l'Amérique et n'a tourner puis devant pour reste détail et dans pays d'Haïti même c'est suspense tout monde attend de date installation conseil présidentiel transition mais toujours gagner yon retard donc n'attend mais actualité à sous point de vue international appelé nous dans région Moyen-Orient côté que guerre Israël Hamas là sont suspense tout sous yon cessez-le-feu éventuel dans Gaza pendant que gagnent l'armée état Israël et l'armée pays Israël là lui-même qui a préparé yon opération dans Rafah malgré position Washington position Nations Unies et l'autre pays encore nous gagne Serge Rodriguez pour mise à jour. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit jeudi mardi a livré le déraciner brigade Hamas parmi eux ça qui a opéré dans ville Rafah au sud de Gaza et pas rien qui va l'empêcher de faire ça. Nous pourrons compléter l'attaque sur brigade Hamas et même ça dans ville Rafah et pas aucune force sur planète là qui est capable de camper nous dans route. Il y a pile force qui campe en quoi dans ce sens ça mais ça pas pour aider étant donné l'ennemi ça après ça qui finit commettre là il pas bien opportunité pour faire ça encore. Monsieur Netanyahu fait déclaration ça devant nouveau recrue militaire dans zone Ramat Gan un jour après il était fini déjà choisi une date pour Israël envahir Rafah. Cependant, personne ne connaît date là, dans un moment où une série de négociations cessez-le-feu a déroulé dans la ville de Caire en Égypte. L'Union européenne avec divers gouvernements étrangers a essayé de décourager l'idée d'État juif là pour ne pas monter sous chemin ça, une façon pour éviter la rivière sans. En même temps, le président des États-Unis Joe Biden demandait pour Israël pas lancer une grosse offensive l'autre bord. Ce pour parler, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aborde le dossier invasion Rafah tout. Pour ça concerne Rafah, Israël pas banni aucune date sur opération liant. Ça nous a dit c'est que nous continuons à parler avec l'État hébreu sur question Rafah. Pendant ce temps, un convoi camion assistance humanitaire entré dans Gaza jeudi 19 avril là, à travers frontière Rafah, côté plusieurs milliers de Palestiniens déplacés à vivre, dans le cadre d'opération militaire, l'État juif a continué à lancer dans la zone. Opération qui presque lague le monde dans Gaza, dans un gros gangou, d'après quelques agences aide humanitaire. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et bien, l'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est scandale et Panama Papers là, qui retourne dans l'actualité et puis gagne un procès qui t'emmène dans Panama. Sandra Lemaire, en détail. Pour ces 27 moun, la justice accusée dans la question mondiale complot, blanchiment d'argent qui portait nom Panama Papers, tombait lundi dans un tribunal panaméen. Parmi moun yo accusé, yo gagnait propriétaire cabinet avocat Mossack Fonseca, qui était une organisation centrale dans la coquine chaîne fuite documents en 2016.
Solicitó a los imputados, las personas que fueron investigadas. N'a rappelé que Panama Papers gagne la donne en collection 11 millions de documents financiers secrets qui montraient que Jamoun qui pire riche dans le monde caché Kobio. Répercussions, fuite, documents y arrivaient loin. Et puis, t'es la cause, premier ministre Islande, t'es démissionné. Ça t'es la cause, tout leader Argentine avec Ukraine, t'es tombé en bas en pile critique ensemble avec politiciens chinois, avec président russe Vladimir Poutine. Procès à que y'a été renvoyé plusieurs fois. L'ouvrit lundi avec déclaration avocat Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, ensemble avec ancien employé cabinet avocat Yoa, qui a fait face à accusation blanchiment l'agent. Mossack était présent dans le tribunal là. Avocat Fonseca lui-même dit monsieur couché à l'hôpital dans Panama. Se le formulan? Non, je suis responsable de tels actes. Accusé Jürgen Mossack dit juge là, moi pas responsable pour ça comme ça. Posea, centré sous accusation comme quoi cabinet avocat t'établit société écran, c'est-à-dire faux compagnie, pour acheter propriété dans Panama avec l'argent qui sorti dans une cocaine chain complot corruption dans Brésil que moun connaît sous nom Lava Jato. Ça veut dire laver auto. Fonseca déclaré compagnie, hein, qui fait n'importe li en 2018, pas de gain aucun contrôle sur qui j'en client yo t'a capable de servir avec société écran qui établit pour yo dans l'autre pays. Ni Mossack ni Fonseca, c'est citoyen Panama. Panama pas extradé citoyen li yo. Le tribunal te joint monsieur yo non coupable pour l'autre accusation en 2022. Document secret yo te paraît en premier sous journal allemand Süddeutsche Zeitung et puis yo te partagé avec consortium international journaliste qui a mené enquête. Groupe là a commencé à publier rapport que yo t'ai préparé ensemble avec médias en 2016. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra, on a prêté toujours dans la région Amérique latine là, côté une organisation droit monde accusé Colombie et Panama comme quoi yo t'a violé droit immigrant qui a traversé forêt d'Arien pour aller en, aux États-Unis. Et annonce a fait Jean-Robert Philippe malgré États-Unis mandé immigrants eux-mêmes pour choisir voie légale pour capable entrer aux États-Unis pour yo pas prendre l'autre chemin qui capable ba yo en pile problème Jean-Robert. Effectivement, la région dit, c'est un appel que les États-Unis pas suspendre lancé par immigrants, surtout immigrants qui sont dans Amérique latine, pour dire qu'il y a plusieurs autres moyens que les États-Unis mettent à la disposition et pour risquer la vie. Alors, c'est comme ça que l'organisation doit jouer, mais ça, lui-même, les longer de sous-deux pays, ni Colombie, ni Panama, pour dire qu'ils ont violé droit immigrants, qui ont utilisé le territoire, parce qu'il y a un foyer d'ailleurs, pour mettre, dans le moment, mettre tête pour les États-Unis. Colombie et Panama ont reçu accusation, groupe d'humains, Human Rights Watch, comme quoi ils ont abandonné plusieurs milliers d'immigrants qui utilisent les forêts d'arrivée avec objectif pour aller aux États-Unis. Le défi de la migration trasciende à nos deux pays. C'est un défi régional. Ministre des étrangers colombien Luis Gilberto Murillo, qui occupait de questions migration, a déclaré défi immigrants dépassé de pays concernés. Non seulement c'est un problème régional, mais tout c'est un problème mondial. Nous n'avons pas voulu accepter parole que nous abandonnons la population qui n'en fait rien à cause, c'est pas vrai. Colombie et Panama fait un gros effort dans ce sens. L'Organisation des droits humains accusée de pays sérieux, lui dit qu'il a abandonné immigrants n'en fait rien qui sépare Colombie avec Panama. Los migrantes que están en Colombia, más del 80% tienen vocación. Ministre des étrangers colombien a ajouté, puis soit 80% immigrants qui dans Colombie, gain plan rester ici là, mais nous besoin plus ressources pour accepter plus toujours. Nous déjà gain loi qui permet nous accepter en 350 000 à 600 000 immigrants dans Colombie, pas seulement vénézuéliens, mais immigrants qui déjà vivent dans pays là. Mais nous besoin support communauté internationale là pour capable répondre défi qui devant nous. Dans une déclaration tête ensemble, gouvernement du pays de Colombie et Panama publié, ministre des étrangers du pays a déclaré qu'il fait gros efforts. Immigrants, c'est un défi qui dépassait le pays. Mercredi 3 avril passé, Human Rights Watch a accusé Panama et Colombie, il dit qu'il échoué dans protéger et puis assister plusieurs milliers d'immigrants qui traversaient la forêt. Le groupe a accusé tout du pays, il dit qu'il n'est pas arrivé à enquêter sur l'abus qu'il a commis. Contre immigrants. Existen algunos países en el sur que tienen que revisar. Ministre des étrangers Panama, Anaina Kawane, déclaré quelques pays dans le sud doivent réviser politique migratoire qui permettent immigrants de traverser forêt. Y a un autre point qui est important pour nous, nous devons aborder la question Haïti avec Venezuela. Nous ne sommes pas capables de garder ça sans ne pas dire rien. Problème non,
pas simple, c'est un problème global. En 2023, officiel Lyon Panama a rapporté un chiffre record dans la quantité d'immigrants qui traversaient forêt d'Ariane, qui connectait Colombie avec Panama. Plusieurs milliers d'immigrants traversaient forêt, rentraient Panama, traversaient l'autre pays dans l'Amérique centrale là, avant de rentrer au Mexique pour aller sous frontière, côté de demander asile aux États-Unis. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Et puis hier, c'était belle bagaille, bel spectacle avec éclipse solaire totale là, qui t'a provoqué en pile sensation, surtout côté le passé. On a parlé de Mexique, et les États-Unis, à Canada. Valéo, c'est lui depuis New York, a fait un coup d'œil sur la situation. Éclipse solaire qui traversait l'Amérique du Nord, sorti dans le pays Mexique, arrivait juste Canada. Hier lundi 8 avril là, t'as eu un gros spectacle belle merveille. Côté que plusieurs millions de monde t'as regardé ciel là. Tu t'as regardé en l'air puis tu cherchais ouais phénomène céleste qui était partiellement visible pour certains monde à cause mauvais temps. Mais à travers Pifo dans zone dans continent, côté que ciel là t'es clair, observateur qui souchit mes trajectoires direct éclipse là, t'es arrivé ouais bel spectacle ça qui très rare. La lune n'était pas arrêtée tant qu'on y a un homme noir qui traînait devant le soleil là. Et puis pendant un petit temps, il était bloqué soleil là, qui lui-même t'a brillé pas d'elle. C'est ça que scientifique sur elle, il y a une éclipse solaire totale. Période temps éclipse totale là, t'es duré jusqu'à 4 minutes et demie, dépendant sous côté monde qui a regardé à camper. Éclipse ça t'a fait l'autre effet étrange tout, côté que la lune t'a metté ciel là dans fait noir et c'est seulement une portion dans soleil là qui t'est paraît. Ça relé une éclipse partielle. Spectacle ça t'a déroulé à travers Pifo dans zone continentale États-Unis. Fanatique éclipse t'est rassemblé dans plusieurs côtés sous trajectoire qui étant li sorti dans côte Pacifique Mexique là jusqu'à Texas à travers 14 autres états aux États-Unis, rivé dans pays Canada. 4 minutes et 28 secondes. C'est duré temps éclipse totale 2024 là qui t'est dépassé duré temps éclipse ça qui t'est traversé pays États-Unis dans année 2017 qui lui-même t'est duré jusqu'à 2 minutes et 42 secondes. D'après la NASA, éclipse totale qui a duré entre n'importe 10 secondes jusqu'à à peu près 7 minutes et demie. Dylan Touras Rosendale, son résident en ville New York. It was just a moment where everything else... C'était juste un moment côté que toute l'autre bagaille pas important. Ou senti ou fait une seule aclanati. Ou campé dans une ligne parfaite entre soleil là, la ligne nan aclaté. Ou campé dans côté qui parfait, avec temps qui parfait tout pour capable joindre son besoin. Tant que c'est une expérience pour toute la vie. Tant que moi pas jamais oublier moment ça. Moun ki nan Times Square, nan ville New York la, yo même tout yo te wè éclipse spatiale là qui te paraît dans ciel là à 89% aux environs 3h25 dans l'après-midi, l'heure locale. Mais gen moun ki yo même te vive éclipse solaire ça différemment, ça qui t'a voyagé par bateau, mais si tout ça qui yo même te vive expérience ça dans ciel là, passager ça yo qui te à bord un avion Delta Airlines. Yo te gen opportunité une fois dans la vie pour prendre avion parti pendant moment que éclipse ça t'a passé trajectoire li dans jour lundi 8 avril là. Vol là te décollé sorti dans aéroport Austin Texas, 30 000 pieds en l'air, chita bon fenêtre là dans cabine avion, amateur éclipse yo te excité avant que yo te atterri dans ville Detroit Michigan. Aaron Perdue qui gen 47 ans son fanatique éclipse qui sorti Orlando Florida. Absolument étonnant, puis bon vol moi te jambe prendre avec Delta. Li te incroyable. Moi ouais belle éclipse là. Moi te rivé ouais moment éclipse total là. Incroyable, vol là te gen ambiance, tout monde était tellement content. Et vous êtes content juste pour vous parler de l'autre. Staff assistant vol, vous êtes incroyable. Le deuxième vol Delta est ajouté à la dernière minute. Et dans tous deux vols, les passagers ont été éclipse total là. Une expérience que Neil Armstrong a dit que le pape jamais oublié dans la ville après qu'il ait proposé à Patnelli sous vol Delta. Voilà, c'était un événement spécial. Il te semblait tant que moi pas d'jambe qu'a joindre une opportunité spéciale comme ça pour moi proposer et moi t'ai vrai faire pendant une expérience que ou fait une fois dans la vie. Qui donc était moment parfait pour moi combiner tous les deux. À peu près 32 millions de monde aux États-Unis te vivent éclipse là et officiel fédéral te prévoit que une autre 5 millions de monde t'après le voyager pour venir garder pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Solu. Donc c'était belle bagaille hier dans l'occasion éclipse solaire totale ça qui t'est passé sorti Mexique traverser les États-Unis pour arriver au Canada. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Merci d'être toujours été branché. Actualité à concernant pays d'Haïti. Certaines organisations sociopolitiques et partis politiques ont cherché plusieurs centaines de milliers de signatures pour imposer choix un juge cour de cassation au lieu de mise en place conseil présidentiel transition. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Plusieurs structures sociopolitiques et partis politiques parmi eux, Innovation, lancent une campagne pour ramasser des centaines de milliers de signatures à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti et la diaspora haïtienne. Dans l'objectif pour exiger choix et un juge cour cassation pour assurer présidence provisoire transition hein, au lieu conseil présidentiel. Nous choisissons de mettre pétition ça pour toute population, signer pétition ça pour celle livre, celle loi que nous était qui c'est constitution pour nous entrer vers la constitution. Parce que la constitution en Haïti n'a jamais appliqué. Ils ont appliqué les ils ont voulu faire affaire par eux. Mais nous-mêmes, en innovation, nous disons que la position CARICOM
Si nous quittons le passé, et mais nous tous nous ralentirons. Comme nous habitués toujours dit ça, et nous avons toujours dit ça, et nous pas camper sous ça, c'est dans le cours de cassation nous pour aller. Nous pas dans CP, parce que CP par contre pour des résultats pour nous. Nous voyons certaines dérives qu'a fait à travers la communauté internationale. Là. Côté nous c'est CARICOM qui a décidé pour nous. Côté qu'il y a une proposition de cette tête. Eh bien nous-mêmes nous dit que nous avons un seul document de référence dans le pays, qui c'est maman loi pays, qui c'est constitution. Donc nous avons l'article 149 qui dit lorsque vous avez un vide présidentiel, c'est dans le cours de cassation pour nous aller. Given Bastien, Joseph Jean Wisley et Pierre Saint-Ange, respectivement président, porte-parole et responsable affaires politiques, parti politique, innovation, dit expérience collège présidentiel yo pas konn bay résultat positif. Expérience cour cassation yo qui konn bon. Et c'est ça qui a pris intérêt pays d'Haïti, d'après ça, vous dit. Ou en tout ça, pour VO à Creole. Pour tout presse. Et puis toujours, actualité à nan pays d'Haïti, la police qui a multiplié opérations pour combattre gang armée, surtout dans la zone capitale là, Yves Manuel. Pour répondre à la mission qui s'est protégée avec ses vies, pendant la crise sans pareil, Haïti a fait face dernier jour, la police nationale d'Haïti a multiplié opérations et interventions, surtout dans le département de l'Ouest, pour capable contrecarrer l'action criminelle, bandit, les faits sur la même population, avec civils, avec sous institutions. Agent PNH fait qu'on est, il pas baissé les bras des bandits qui eux-mêmes rendent sans sommeil citoyens dans divers quartiers dans la capitale haïtienne. Combat entre la police et la bande armée reprend dans le commencement semaine. Affrontement au fait dans le champ de masse tout près par les nationales et qui pas loin tout l'hôpital général dans le centre-ville capitale là. Côté bandits, il a fait ravage la journée ou la nuit. Fusillade sa yo, yo fait après plusieurs jours calmes dans certains quartiers dans la capitale là. Même scénario a produit dans la zone Delma et l'aéroport international Port-au-Prince. Côté moun yo peut descendre dans la rue pour vaquer à l'activité habituelle yo. Dans Carrefour et sud capitale là, banque commerciale yo, yo fermé porte yo. Cependant, aucun affrontement ni violence pas observé dans Pétionville et dans l'Est Port-au-Prince qui se cible attaque répétée depuis un certain temps. Bon côté bande armée yo. Pendant ça, pays a attend toujours installation conseil présidentiel transition côté gagnant étape signati accord politique pour une transition pacifique et ordonnée qui fait bon côté acteurs et alliances politiques qui impliquées dans processus là. En vertu de accord politique ça, mandat conseil présidentiel a prend fin 7 février 2026 pour laisser place à investiture un nouveau président qui élu dans élection libre, équitable et démocratique. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a prêté toujours dans Port-au-Prince côté propriétaire Kaiti qui dans périmètre aéroport international tout c'est l'ouverture là et qui concerné par démarche gouvernement apprend pour gain contrôle aéroport réagit dans micro VOA Créole sous Jean et ça passé Massado Ville mettait pas là quelques l'heure. Quelques nos propriétaires nous décroisés dans la Combéry Tabar fait qu'on est pour recevoir l'argent des dommages gouvernement promet là alors que la police commence à écraser caillou. Moi et fait toute bagarre, fait inscription toute bagarre, mais cependant ça qui est plus important c'est que moi commence à écraser, ils marquent caillou et puis nous même nous pour gagner un ado qui l'amène. Juste ils fait nous signer un chèque depuis plus passé 2 semaines et que normalement matin là on est supposé recevoir chèque pour nous pour recevoir un ado. Alors là on pas tarer mais que normalement pour a fait travail et que qu'on a pour population lui même là pour qu'on gagne la mêle et puis cap craser puis pour nos victimes. Soit bagaille et d'après les réduits et que tout moyen déjà disponible déjà que normalement pour dédommager population mais c'est littérature moi cap fait pour comprendre c'est monter descendre cap fait ouais même monde qui gagne chèque non sorti sous nous déjà pourquoi retirer chèque ouais c'est ça qui est inquiétude moi même yo dis moi y a craser qu'on est là on vient hier on vient marquer qu'on est là on dit moi pour me venir derrière chèque moi min matin là moi on pas bon combien chambre on va venir là. Deux pièces. Deux pièces. Combien de temps au bout des pièces? Vous reconnaissez fils et papier dans mes petits mandats. Je te dis, Je te dis, Nous avons décision de s'avigner. Après, l'aéroport a été subi attaque groupe civil Améo dans la date 29 février passé. Toutefois, aucune activité pour qu'on reprenne dans l'aéroport international tout seul ouvert. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Donc gang armé continue à faire des autres tout nous connaît que dans capitale là il y a des grands pile tirés qu'a fait surtout dans zone champ de masse. Pendant ce temps quantité monde qui a couru quitter capitale Port-au-Prince pour venir réfugier dans grand sud là a augmenté chaque jour d'après ça correspondant nous dans ville Okaï dans département sud pays à Ernst Elis Cardino. Bandi qui a crasé brisé dans Port-au-Prince la cause en pile monde couru quitter capitale là venir réfugier dans grand sud là dans ville Okaï. Autorité yo te accueilli un groupe citoyen qui t'a cherché
la vie meilleure. Merci pour accueillir, magistrat accueillir nous. Et décision pour nous, c'est pour nous quitter Haïti pour nous aller de l'autre côté parce qu'avec problème d'insécurité, moi j'ai vu Mariani, bandit pour le cas, moi si on bosse et on capable de construire son bâtiment, on bosse contre les bandit pour le cas, moi qui nous bagarre rien là mais nous t'es organisé pour nous aller dans la chercher l'avion de l'autre côté. Mais c'est dommage, bien réfléchi malgré qu'il est, bagaille pas atterri nous. Non, merci, bon Dieu, vous savez, bon Dieu, fait, vous recevez nous dans le département sud-là. Délégué départemental sud-là, M. Kipnor Estainville, qui n'a peut-être conseil sécurité sud-là, fait qu'on est, conseil-là déjà prend toute disposition pour contrôler les gens qui ont rentré dans le département. Conseil de sécurité du sud-là, il est toujours, disons, il a même responsabilité hein, à l'égard des citoyens dans tout le département. Et ça fait, nous sommes toujours arrangés, nous, au niveau du conseil, de conseil avec mairie, parquet, vice-délégation, et quelques directions départementales pour veiller, contrôler les gens qui ont rentré sur le département de la ville. Et ça a commencé à faire. Et comme nous, si nous avons gagné niveau sécurité qui continue à quimber le niveau qu'il y a dans le sud, c'est détermination que nous avons gagné à collaboration population avec chaque institution qui permet que jusqu'à présent, nous capable de dire plus ou moins, on ne peut pas attendre qu'il y ait trop de crimes qui fait dans le département dans le jour. Citoyens qui sont au Port-au-Prince, qui ont rentré par bonne et par paquet dans le département sud, la cause. Viloukay ak zone avoisinante bourré ak moun prix produit yo augmenté tout sous marché a et en pile propriété kay augmenté prix loyer. Dans dernier rapport organisation internationale migration publié dans commencement mois d'avril là, il y a 53125 moun qui courir quitter Port-au-Prince pour venir réfugié yo dans département alors que d'après même rapport région était déjà recevoir 116 000 moun ki tap kouri pou bandi. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okay. N'ap kite sud, nou pral nan département nord, kote plusieurs dizaines fòm nan Limbé pote solidarité yo bay kek lot fòm ki soti nan kapital la ak nan la Tiboni ki vin rete Limbé a cause violans gang yo nan zone métropolitaine Port-au-Prince. Gérard Maxino se correspondant nou nan Cap Haïtien. Se sou initiative plize organizasyon fòm tankou Académie pou promotion ak valorisation fòm Haïtienne Aprova. Rassemblement femmes Limbé Rafale que plusieurs dizaines de femmes marché dans diverses rues communes Limbé dans occasion Journée nationale femmes haïtiennes sous thème femmes haïtiennes c'est l'espoir. Coordonnatrice Aprova Yuzlan Etienne Robert fait connait marche ça c'était pour dénoncer discrimination, viol et excision yo même femmes absibi dans société haïtienne. Je vous dis encore nous prenons la rue pour nous porter ensemble de revendications. Revendication, on y résume en trois éléments. C'est égalité, partage et puis équité. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous venons parler, nous venons revendiquer et à travers ce match-là, nous venons réclamer trois éléments. À cause climat et sécurité à Captaï Banda dans le pays, yon paquet fòm déplacé vin rete Limbé. Yon nan déplacé yo déclaré, li rive nan nord, c'est à cause persécution bandi armé yo nan Matisan. Li bat bravo pou si pou li jwenn nan men moun Limbé ak organisation féministe yo. Mwen passé 1 an 2 mois ensemble avec yo, yo ban logement, yo ban tout assistant manje tout bagay. C'est yo ki pati ki yo fòmi pou mwen nan Limbé. Et la chambre yo nan vini. Selon numéro 1 Aprova, mesdames déplacé yo ta bezwen bon jan sipò psychosocial. Nous avons des centaines de déplacés que nous travaillons avec eux, des centaines de déplacés qui ont besoin d'appui psychosocial, des centaines de déplacés qui ont difficulté pour manger, qui finissent dans le département de mort, mais commune Limbé précisément, nous gagnons plus de cas que nous enregistrons. Activité a été déroulée en présence plusieurs autorités locales et paysans qui étaient sortis dans 6 sections communales, commune Limbé. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et nous avons un dernier coup de pied dans la province et nous parlons de Fort Liberté. Côté nous parlons rejoindre Jodelet Junior Saint-Ville qui parle de problèmes de l'école dans la zone. Reden, qui est le regroupement directeur de l'école non public dans le département d'Odessa, qui gagne environ 89 l'école, dans tête collée avec tout directeur de l'école non public dans le grand pays, qui a signé un accord subvention avec le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, levé voyou bien dans la presse pendant le week-end passé pour dénoncer le ministère qui n'a pas respecté, d'après ça, l'accord si là. M. Jonas Revolus, c'est porte-parole, regroupement l'école privée dans le département d'Odessa. C'est tout si là, qui a signé avec PAPDEF. Avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a un contrat de subvention qui peut payer des collages pour tout le monde sortir dans la classe première année, fondamentale, pour arriver dans la classe sixième année. L'aide considérée, nous avons signé un contrat pour trois années, sorti 2022 pour arriver 2025. L'aide considérée, je vous dis, nous avons déjà, dans le mois d'avril,
et que le ministère de l'Éducation nationale avec PAPDEF pour qu'on dise rien pendant l'école, nous pas qu'à répondre à l'ensemble d'exigences, nous gagnons. Pour question cantine, nous connaissons si nous avons droit pour jouer manger, pour manger dans l'école. Mais ce n'est pas pour l'agence ça. L'agence ça, nous avons signé déjà. Si nous n'avons pas un coup de payer dans l'école, nous sommes là. Je dis à nous pas attendre ces cantines, il y a pas ensemble à rester à l'escolaire pour presque finir. Monsieur Révolus te pote explication sur qui sa PAPDEF a géré en dans ministère de l'Éducation nationale. Pendant le mandat pressé pour l'école privée, dans le département d'Odessa, joindre l'agent subvention, agent ça te prévoit dans l'accord de signé avec le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. PAPDEF, c'est un programme qui est en dedans le ministère de l'Éducation nationale qui gère question et subvention et pour l'école. Nous avons demandé pressé à ministère de l'Éducation nationale avec PAPDEF pour payer l'agent ça parce que. C'est ça que nous ensemble avec. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, au VOA Creole. Merci Jodley Junior Saint-Ville, c'était un plaisir, une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention. L'autre information que nous portons pour, eh bien, il faut qu'on ait environ 7 adolescents blessés pendant une fusillade près centre commercial dans la ville Indianapolis dans le pays les États-Unis dans le mois mars qui s'est passé là. D'après ça, la police rapporté, eh bien, ils ont arrêté Kindeni, lui-même, un jeune garçon de 17 l'année qui était impliqué dans l'axila pour possession d'armes illégales avec intention criminalité. Il est là, pays, là, lui-même, ces pays, eh bien, crime, lui-même, ils pas suspendu fait malgré tant de niveau sécurité qui gagne, mais ça pas empêché qu'il n'ait examen, lui-même, ils continuent à faire gros crimes dans le pays États-Unis. D'après décision conseil présidentiel, 7 têtes plus de qui fait 9 membres là, eh bien, tête carré comme, lui-même, ils prennent dans un document qui parlait de critère membre gouvernement si là lui-même il t'a doit gagner pour mon monde vinn premier ministre en Haïti et bien même si il te prend nationalité yon l'autre pays il capable occuper place là à l'aise. Ça qui bail gros saisissement moun k'ap vinn premier ministre Haïti a pas besoin gen origine li Haïti qui donc ça veut dire li parent li même pas besoin té haïtien du tout li pas besoin gagner aucun décharge pour bail même si li même li t'a géré l'argent l'état avant ça. Et bien pile moun a bandé si premier ministre là pas besoin gagner origine haïtien et bien li pas obligé gagner sans haïtien nan venn li tout et bien tout l'autre ministre yo même yo ka étranger à l'aise tout et bien yon bonjour n'importe dominicain israélien palestinien français avec li capable premier ministre dans pays d'Haïti nous cité ça seulement capable américain tout capable bahamien li capable n'importe nationalité ou ta gagner ou capable espagnol portugal ou bien n'importe pays ou capable sortir et bien ou capable venir premier ministre parce que vous fait connait li pas besoin origine haïtienne ou parle de origine haïtienne a dit maman ou papa ou pas besoin haïtien ou capable c'est un français là et bien petit tout lui même depuis il t'apparaît Haïti ou capable venir premier ministre dans pays a et bien bagaille en pile monde yo même yo parler tendez. Et si l'idée ça lui-même l'ira poursuivre et puis rentrer dans référendum nan et bien ou ka wè nan moins que 3 ans là nous gagne n'importe président même non nous-même nous gagne doit pas capable prononcer dans pays d'Haïti n'a rappelou grand pile nation non pile nation là qui gagne sous la terre et bien non même vraiment difficile qui donc ou capable haïtien lever ou fait Haïti et bon grand président et vous pas capable même si t'es non on a donné tellement fragile sous la terre là si tout on a do pays yo même pays si tout pays grec yo et bien là on a collé tout là et bien c'est en doute tendez ou grand président et puis ou même ou pas capable si t'es non président là tellement bagaille ou capable dégénérer dans pays. Yon délégation bio a fait international dans ambassade américaine cap lité contre trafic drogue et bien yo té rendre yon visite dans aéroport international Toussaint Louverture là dans date qui était mardi 9 avril 2024 là pour être capable observer travail cap fait pour protéger aéroport avec opérateur et puis moun cap gagner pour fréquenter aéroport international Toussaint Louverture. Selon journal Les Nouvellistes, eh bien, li pa vraiment konnen eske visite sa li même li di États-Unis pral aide Haïti sécuriser aéroport international la pour vol commercial yo même yo capable reprendre mais n'a rappelé compagnie avion yo même yo te exige plus sécurité pour vol yo même yo te reprendre dans capitale pays n'a rappelé dossier vol ça qui déjà fait pile par en pile parce que gan pile malheureux là qui déjà prend radio parler qu'ap fait konnen caillou yo même y a craser et bien yo pou ko gen quel monde relie ou explique ou de comment ils vont continuer vivre, comment ils même ils vont bénéficier des cas ils même ils gagnent pour y perdre.
n'a pas rappelé tout, et bien ministre, même qui est ministre Ariel Henry Haïti, l'entendez Ariel Bail pour le démissionner, le poco démissionner, et bien tout raché coupé qui est là, tout fait et défait, et bien c'est conseil ministre PM, nan, qui toujours sous pouvoir, les mêmes cap fait et défait. Ariel dans zone CT, conseil des ministres là, te fait qu'on est, que yon a fait de 300 millions goud qui disponible même pour ta dédommager, moun sa yon même. Cap perdit kayo et bien dans zone qui était rete tout près aéroport international Toussaint Louverture dans Maïga té Port-au-Prince et bien tout de suite après ça pendant hier mardi a tout gen gros délégation qui était sorti dans ambassade américaine qui était à rendre une visite dans aéroport international Toussaint Louverture là et bien pour ta ouais si travail là lui-même l'a bien fait yon façon pour ta rendre aéroport là gen plus sécurité ça veut dire aéroport là lui-même dans Jean lié là bagay yo pa paraît clair ta supposé gen plus sécurité pour capable sécuriser avion yo même cap gagner pour descendre dans aéroport si là n'a rappelé nèg exam te déjà tiré sur un avion et bien compagnie yo fait connait faut gagner plus sécurité yo même pour capable reprendre vol yo té obligé exiger et bien avec l'état haïtien yo même pour yo capable rendre aéroport là gagner plus sécurité s'écraser caillou pour empêcher bandi rentrer et bien pour bandi capable à tirer sur avion tirer sur aéroport international Toussaint Louverture là pour aller là ça déjà continue à fait mais en pile parler en pile cap fait par rapport des haïtiens cap perdre caillou et bien au fait qu'on est yo pour gagner une assurance côté yo pour aller rejoindre l'autre caillou dossier programme Biden et bien USCIS a annoncé à partir du 9 mai 2024 là la prêche toute demande asile qui mal déposé et bien alerte USCIS ça lui même qui était publié dans un journal et bien hier qui s'est passé là sous changement qui fait dans dépôt demande asile sur site USCIS là et bien il dit changer façon étranger eux même qu'on déposer demande asile là et bien à partir du 9 mai qu'a venu là et bien dans sens ça USCIS après que toute demande asile affirmative qui déposé incorrect dans centre service juridiction côté moun yo même yo do résider et bien changement ça lui même l'a effectif à partir de 9 mai 2024 là cap vini là elle là c'est ça yo té annoncé et bien depuis journée hier mais ça qui prend la cause en pile par en pile a fait sous internet là là et bien c'est dossier qui vient pour avec dossier programme Biden dans les mêmes qui font pile parler et bien hier tout de suite après en pile moun et bien côté qui vient dans une vérification personnelle et bien que nous même nous fait et nous joindre tout et bien à travers publication que nous consulter et puis yo rapporter tout gagner côté gain a fait passer de yon cinquantaine de applications qui paraît pas confirmé non confirmé et bien pour seulement hier mardi 9 là qui sont passé à là d'après divers spécialistes qui fait application pour plusieurs sponsors en pile dans monde ça eux-mêmes qui pas confirmé et bien c'est pas problème capacité économique yo gagné qui donc plutôt yo fait connecter et bien pour première fois pendant une seule journée plusieurs bénéficiaires recevoir email qui dit yo même yo pas confirmé et bien c'est un gros phénomène là qui mettait haïtien tête chargée en pile monde qui te gros espoir sous Biden et bien pour journée là gros quelque cassé t'a pas tomber prend yo après USCIS t'a annoncé et bien yo pas confirmé avec un bande monde et bien ça fait un pile qui sauté côté parlant pile yo même yo te plaît de fait et bien gen gros média qui a fait yon série de campagne pour déstabiliser ou soit divier bagay sous programme Biden nan bagay sa yo même gros répercussion sous programme si là et bien d'après en pile recherche en pile spécialiste yo même y a fait et bien site là li même yo senti que USCIS gagne enquête l'a mené toujours journal pro républicain qui c'est Washington Times li même li dit gen moun qui prend $5,000 américains pour appliquer pour moun malgré yo konnen moun nan pas confirmé et bien pourquoi li là c'est action ça yo ka privé fait en pile moun recevoir email côté yo pas confirmé et yo bay en pile détail tout fait konnen moun nan capable réappliquer mais moun qui te fait ka pour lia c'est soit pas de posséder assez de l'argent moi économique li pas de bay qui démontre clair que il pral capable prend ka moun ça l'est rivé dans pays les États-Unis et bien pile cap arrête là côté yo pas confirmé pendant journée hier mardi là qui mettait en pile haïtien dans courir et gen moun yo vrai
qui touche comme là et puis yo pas yo peut connaître que situation y a vivre là bien li pa bay pour faire application pour plusieurs monde mais malgré ça yo touche comme là yo fait lorsque tu un premier email fait qu'on a déjà un coup et bien si toutefois ou pas confirmé yo même yo fait comme bay yo fait le net et bien c'est une situation qui vraiment grave et bien selon journal Washington là il fait qu'on est grand pile enquête qui a mené là pour monde qui a fait complot ça yo malgré ça passé a té déjà gagné en pile problème dans monde yo même qui a fait application pour moun len parler des faux applications si moun na connaît statil pa bay pou le fil pou et bien li prend comme dans mon li fil et bien connaît li pa travail ou bien travail li pa rentre un gros salaire selon ça immigration américain mandé le fil pou et bien c'est yon faux ka moun nan li même li créé pour parce que après temps fin passé le ou après temps pour confirmer bien rapide ou capable venir email qui dit que ou même ou pas confirmer qu'on capable refaire une autre demande encore mais c'est ça pour avec première demande côté fait à lui même li pas confirmé. La police saisi passé 1000 grain balle avec yon trentaine de zam dans yon bilan yo bay jodi mercredi 10 avril 2020 responsable yon nan la police et bien yo fait konnen soti 26 mars 2024 passé a pou rive a 9 avril 2024 la yo saisi plus passé yon trentaine de zam avec environ 1,500,000 balles qui donc nan opération yo mené et bien kont bandi pendant tan sa yo di tout et bien gen 6 policiers qui té rive blessé et bien après 6 policiers qui té rive blessé yo et bien en pile tout nan bandi yo plusieurs tombé mouri qui donc sous bob à la police yo gen 6 policiers blessés et bien plusieurs bandi qui mouri sous bob pa yo tout et bien dans diverses armes avec balles qui saisi yo porte-parole PNH la qui c'est Gary Deosier préciser yo té joine yo affaire de 26 armes avec environ 1500 balles nan port au cap haïtien et bien 5 fusils dans dernière opération yo té mené face avec bandio sous la mer et puis yon fusil avec plusieurs centaines de balles dans affrontement avec deuxième chef gang Cité Doudouna qui té poté non New York qui Michel lui-même li té tombé yon l'autre côté responsable là lui-même li parler sous arrestation policier aux îles Stamford lui-même qui té gagné implication dans activité criminelle et bien pour ça qui garder l'autre matériel yo saisi pendant dernier jour ça yo là yo fait comprendre que gagné de 6 millions 300000 goud avec 20000 dollars américains que même yo te saisi comme ça et bien c'était sur route mi balai pour comme ça n'a vini avec un détail comme ça qui t'en pile parler en pile a fait là dans département centre pays la police continue pour le dire et bien yon bateau transport marchandises des machines avec 9 motocyclettes que yo même yo saisi n'a soulier dans diverses opérations la police menait et bien yo gagné 3 chefs gang qui tombé là en plus l'autre membre gang yo même qui mouri dans grand chef gang que tout monde te connait qui était vraiment populaire n'a cité nous yo gagné qui c'est Tigre gagné Macandal avec New York et bien c'est non si là yo même qui mouri en bas bal la police et bien selon information cap si qu'il est là pour dossier qui gagne pour avec cop qui saisi dans mi balé là et bien nèg yo pas travail yo pas fait pays mais de pour pas marcher droit sortant de là ou prendre un gros complot et bien magistrat Mivalea qui c'est Locha et bien Gabriel Fleury qui c'est commissaire gouvernement dans Mivale et bien pile parlant pile cap parler là comme quoi nèg ça eux-mêmes yo mandé révoquer yo par rapport assemblée cop qui saisi à lui-même ni pas arrivé droit dans DG Port-au-Prince yo tap tanien assemblée gen ti route cochi qui fait là et bien sortant de parlant pile a fait des informations cap circuler que nous capable mettre au conditionnel pour qui fait qu'on est comme ça yo et bien prison Mivale là lui-même qui pas fait pour quantité moun ni gen la dan et bien t'assemblé gen comme ça qui rete mi valet pour construire prison là et bien nèg Port-au-Prince yo même qui déjà là yo en folie yo pas mené opération yo pas fait ça yo ta doit faire mais comme là t'assemblé pour qu'on rentre Port-au-Prince et bien gen option pour construire prison là comme si là qui saisi nan main yon policier avec yon ancien sécurité KIP qui nèg yo té kembe pendant que t'as fait pas bilade pour ta l'acheter munition et bien comme s'il a fait gros parlant pile côté yo menacé pour révoquer commissaire gouvernement Mivale a plus magistrat Locha et on parle de Locha on parle de magistrat grand nan bouda k'ap bay bon service côté qui fait kemandi yo sauté Jeff Canara envoyé plusieurs messages fait qu'on est li pral prend Locha k'ap mené bon opération dans zone nan Mivale en pile bandi a prend brakalé bandi yo ta installé base yo dans zone Fond Cheval et bien c'est commissaire gouvernement met avec magistrat Locha et bien qui délogé côté qui était blessé mortellement plusieurs bandits parmi eux chef gang Bazali même qui s'était
avion ti avion te obligé atterri pak bal la police yo même yo te bay mi la avec bisap et ben c'est commissaire gouvernement mi balè la mete avec magistrat Locha k'ap fè bon travail ça mais pep mi balè a parlé ou fè konnen si toutefois ou ta révoqué Locha avec Gabriel Fleury et bien mi balè pral fè PayPal la couper complètement toute relation avec République le République Port-au-Prince côté ki ganglia et c'est la gouvernement chita yo konnen le ganglé lo ap gade jan peyi aya c'est comme si m'ta dou gouvernement li même li gen gros relation ak gang yo et ben bagay kari comment pile moun pa vle et ben même pouvoir PM Ariel Henry a moutra clé tout li pa vle nèg sa yo toujours prêt pour yo révoquer ou de pou pa faire ou ton nèg yo pa légitime yo prêt pour révoquer tout moun k'ap fè bon travail imagine ou zone Miskaden li fè le tourner en zone rouge pour tout bandi ben mi balè aussi campé dans même genre dans même logique là de pou rent ou gen intention rentre mi balè mais ou vienne avec bon bois calé dans boudou et bon tande parole en pile a fait pour révoquer et nèg yo prêt à révoquer tout mais n'a pas pouwe avec solution pays a ou gen tan elle par là-dedans information k'ap sikile parler de révocation nèg mi balè ça k'ap fait un bon travail pour population et yon l'autre côté tout bandi yo continue à piller Port-au-Prince et bien ça gagner pour avec conseil là et bien équipe Ariel Henry a les même yo continuer à faire coquin face avec dossier conseil présidentiel là et bien pourquoi il est là qui pour que cham fin clé ayema dit a bien ta conseil ministre Ariel Henry a annoncé la continuer discuter pour jeudi mercredi ça là sous publication dans même KIPA et bien dans journal Le Moniteur et bien pour capable ka prêter serment et bien après appel au comme t'es déjà soumettre by gouvernement démissionner à lui-même tout document yo même yo t'es déjà exigé elle là c'était journal Le Moniteur t'a bay li poko bay et bien jeudi mercredi à la parler a dit bay ou capable toujours poko bay pire parce que nèg yo démontrer que yo même yo nan coqué pendant n'a tant solution nan nèg ça et bien c'est rete n'a prêté n'a poué nèg ça aussi wa payer ou t'a fait ça montre clé PM nan lui-même li pa gen intention ba vague ou gen doit rete là tout temps de PM nan retourner s'il pa retourner li capable venir quelque petit engagement barrel mais nan ça c'est qui pour avec rendre démission complètement et bien c'est ademi li ba li seulement yon annonce li fait qu'il pral ba démission mais moun k'ap diriger pays a et bien c'est toujours ministre Ariel Henry avec tout acolyte li c'est ou même qui là yo pour prochain signe vrai ba que yo même yo pa tête pays ici là bandi qui formé coalition gang vivant sans mieux eux même yo pillé et puis mettez di fait la caille ancien député Lavalas pour troisième circonscription Port-au-Prince là monsieur relé point en Belize et bien selon information yo et bien gang armé eux même yo té envahi la caille avec caille famille rue l'enterrement dans soirée vendredi 5 pour lever 6 avril 2024 qui s'est passé à là et bien les gars yo pillé boulé mettez li fait dans tout ça yo même yo ta joine sur yo yo même yo porter yo aller bien les gars yo continuer yo même y a attaqué nèg yo côté yo pas quitter rien sur yo yo continuer à bail Perez avec population à côté pas gen moun qui continue épanier dans attaque qui nèg barbecue vivant sa mieux même yo continue à faire sous population mi wale voye gros message mi wale qui gen organisation qui relé reposer ça qui veut dire regroupement populaire pour sécurité mi wale et bien coordination reposer à salier média parler écrit télévisé ak en ligne particulièrement population mi balè et bien ak si la yo même ki nan zone avoisinant yo coordination regroupement populaire pour sécurité mi balè a annoncé avec regret qu'il décide renvoyer manifestation pacifique qui était programmée pour fête demain jeudi 11 avril 2024 là dans ville mi balè pour une nouvelle date qui poko capable paraître clair pour raison ou bien pour quelque raison stratégique dans ce sens-là et bien n'a demandé avec chaque citoyen qui a vu mi balè pour être vigilant avec veatif parce que victoire finale c'est pour peuple cap goumé lié mi balè pas poubelle mi balè pas timoun ou bien li parti piti mi sans gado li pas tourner un territoire perdu vive libre ou mouri mi balè pas péri et bien c'est notre ça qui regroupement populaire pour sécurité mi balè a qui porter nom
qui porte non s'il a reposé et bien pour l'autre fan a faut qu'on ait reposé maintenant qui c'est regroupement populaire pour sécurité mi-valet et bien c'est sinon ça que au même yo gagner dans zone s'il a côté yo rend notre ça public et bien manifestation pour raison stratégique li pap fait demain jeudi encore mais mi-valet toujours campé qu'il pap péri par rapport avec en pile attaque nèg exam yo même yo gagner intention fait dans mi-valet et bien de pour aller ou venir avec zo grand nous nèg yo bon backup pour ça yo gagner backup ferraille qui a frappé derrière là. Et bien c'est pour sécurité ville malgré en pile et bien parlant pile qu'a fait là sous magistrat Locha avec CG Miwalea mais ça qui pas fait rien peuple pas prendre en détail parce que c'est bayonnet qu'a bail pareil sérieux pour tout bandit qui t'a voulu venir dans zone si la qui imposer restriction commerciale sous Israël la qui fait qu'on est que ayem a dit là et bien li imposer restriction commerciale sous Israël qui concernait un paquet de produits pour jouk Israël déclaré yon campo dans bataille y a mené contre Gaza restriction yo fait sous commerce 54 catégories parmi eux fait avec acier, ciment, essence pour avion avec engrais. Action ça a vini yon jour après Israël te bloqué yon demande chiki pour li même li lagé aide nan Gaza étant nan yon avion et bien plusieurs pays lagé aide comme ça yon même pour chercher contre ça que organisation humanitaire yon dit que si yon mak accès sous frontière à terre pour yon pote aide et bien que moun sa li même nan Gaza besoin en pile et ministre affaires étrangères Israël là qui se casse pour mettre li même pour lui répondre avec mezi même gens contre Turquie pourquoi il est là et bien ministre ça pas joué même non son équipe les remettre la gueule ministre et bien après la Turquie fin fait connait yo même yo couper aide yo même fait connait y a pas pour répondre même gens avec dossier si là et bien casse poster sur compte social li que président Turquie a qui se Recep Tayyip que lui-même l'a sacrifié intérêt économique peuple la Turquie pour satisfaire si poli pour assassin Hamas yo dans Gaza et bien monsieur pas joué même lui-même dans dossier Tigel et bien li pas dou là-dedans c'est guerre lui-même l'a demandé et c'est guerre li voulait continuer. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn première façon que ou ka fait ou capable faire senti travail n'a fait arriver sur c'est le quitter yon like sur vidéo a et le abonner avec channel là tout pas oublier activer ti cloche notification mettre le sous toute yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous porter yon nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo a avec yon ami yon famille yon façon li même pour capable joindre information à tout et comme ça ou aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde que tu t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.